can read your palm. No one else can read your heart. No one else can read the family. Amen. Jennifer Miller Lynch said, living a lie, and many families are... Bonjour. Oui, parfaitement bien, Monsieur Stacco, et on continue avec la connexion des réseaux sociaux. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais fermer ma caméra. Quand vous allez être prêt, vous pouvez me faire signe. Sans problème, d'accord. Merci.
Et voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre symposium IT Leadership et Développement, troisième édition. Moi, je voulais assurer moi que tout nous recevons très bien. Est-ce que nous-mêmes qui sommes sous Zoom, nous entendons moins très bien? Voilà, parfait. Et jeudi, c'est une journée qui est particulièrement surchargée. Et nous gagnons des ateliers extraordinaires. Rapidement, ce matin, on a eu avec nous M. James Lisset depuis la Chine qui nous parlait de, d'importation et d'exportation avec la Chine. Parce que Anissa, objectif nous et thème nous, c'est question de coopération entre la diaspora et Haïti. Ensuite, on a eu Mme Christine Coupé-Jacques, qui était lui-même à parler nous de Haitian branding. How can we have a better branding, you know, through les industries de la création? Donc, je pensais que c'était vraiment une grande opportunité, de très bel échange et ça fait plaisir. Nous profitons de saluer chaque monde qui est sur Facebook, qui est sur Instagram avec YouTube. Et nous allons continuer à partager la vidéo et partager de telle sorte que l'échange que nous gagnons là est capable bénéfique à un pile l'autre monde capable de suivre nous. Et nous voici maintenant pour notre présentation qui est très intéressant, je n'ai pas de doute là-dedans, parce que le topic que nous avons est relaté à un monde qui expertise là-dedans, un monde qui a pu vivre là-dedans, qui a pu fonctionner là-dedans, en l'occurrence M. Edouard Stacco. M. Edouard Stacco, il est le directeur des ressources technologiques à Cégep de Saint-Laurent, et lycée également le président des fonds 1804 et 1804 pour la préservation scolaire et il était passé comme comme conseiller en éducation dans plusieurs autres institutions. Mesdames et messieurs, nous vraiment contents. Il était dans conseil d'administration et YMCA Québec. Il était également président de l'association des cadres de l'école polytechnique et de Montréal. Moi, je pensais que nous n'avons pas gagné meilleur monde pour qu'ils viennent parler nous de qui j'ai une technologie capable un vecteur de développement, un vecteur de coopération. Monsieur Edouard Stacco, nous disons merci, nous très honorés par présence, nous apprécions que volontiers ou accepter venir échanger avec un pile jeune, Captain Deo, et en Haïti et en diaspora. Plateforme, c'est pour vous, partagez avec nous, ensuite, nous prenons question après. Merci en pile. Vous commencez par remercier l'équipe du symposium. Je pense que le symposium, c'est déjà un exemple de ce que la transformation numérique a fait. C'est-à-dire que la thématique même de mon intervention, que nous va le faire, le symposium pourrait en être un exemple de conclusion. Parce que ce symposium-là, sans les nouvelles technologies, sans cette transformation numérique, n'aurait pas pu avoir lieu. Et encore moins dans l'époque de la COVID. Parce que même si on avait eu les moyens financiers pour aller chercher tous vos experts, tous vos intervenants et de les ramener dans un lieu et de faire venir les jeunes de partout, de toute République haïtienne, l'on sale, donc on a enlevé les problèmes financiers. Mais aujourd'hui, la COVID aurait empêché tout ça. Et qu'est-ce qui fait que je dis, hein, nous avons gagné une conversation, ça, mais c'est cette fameuse transformation qui fait que aujourd'hui, même les barrières physiques, même certaines barrières de santé, parce que certaines personnes qui regardent actuellement pourraient être en isolement et participer à ça. Donc, je dois vous dire, c'est un plaisir d'être avec vous et on va garder ça très ouvert. J'ai mes notes, je vais vous faire une présentation et par la suite, je vais prendre aussi des questions. Je ne veux pas faire une surutilisation du PowerPoint pour ne pas charger l'ensemble, donc vous allez pouvoir m'écouter. Et on fera le suivi avec l'équipe pour partager par la suite les données. La façon dont ça va se dérouler, on a commencé par faire connaissance. On a un petit temps pour nous parler de qui est ce moyen,
Edouard Stacco. Ensuite, Napral Contitan pour nous présenter le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Ensuite, Napral Contitan pour nous avancer la question de Cégep de Saint-Laurent, parce que comme vous présentez moi, c'est vrai que nous avons employé, je ne pas les jours dire au nom de Cégep Saint-Laurent, mais l'ensemble même, ça fait partie de ça. Ensuite, nous avons entré sous qu'on fait connaissance avec la communauté haïtienne. Parce que Victor, c'est entre Haïti et Montréal, mais il faut me présenter nous. Pour ça que déjà qu'on est, nous avons fait une révision, nous avons parlé de la communauté haïtienne. Ensuite, nous allons parler sur la question de la transformation numérique. Parce que comme ça a passé à travers le monde, il y a peut-être des gens qui moins comprennent la notion. Donc, nous avons parlé de transformation numérique et nous avons terminé sous question comment transformation numérique là, représente un vecteur. Bien sûr, en tout temps, l'équipe technique, on doit les remercier au début parce qu'on les oublie souvent. Parce que quand on laisse les remerciements à la fin, souvent l'équipe technique là, pas joué de remerciements. Donc, nous avons remercié toute l'équipe technique là, qui l'a dès le début, en plus des organisateurs. Parfait. Voilà. Donc, on commence avec qui suis-je? Donc, moi, je suis Edouard Stacco. C'est un négo-gay, parce que vu que nous avons parlé de Haïti, nous avons parlé de pays nous, en Haïti, nous avons parlé de culture nous. Moi-même, je suis négo-gay, fait au gay, vraiment au gay dans la ville au gay. Moi, je vis au gay jusqu'à 15 ans. Et de jeune âge, moi jusqu'à 15 ans, si nous regardons, la période que nous avons vécu en Haïti, nous étions en période de dictature, et moi-même, je passais toute vie en Haïti sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Donc, c'était suite, papa. Ensuite de ça, à 15 ans, en 1983, donc nous regardons que nous avons une belle tirade dans l'âge là, donc c'est nous qui permet que nous vivions ici en 1983. Nous déménager au Canada, bon, personnellement plus nous-mêmes. Et moi-même, le niveau au Canada, donc, je complétais l'école secondaire moins au Canada. Donc, je fais l'école secondaire moins ici. Donc, l'école où il est Antoine Saint-Exupéry, donc, ça est donc polyvalent. Ensuite, je fais toute l'école cégep, son système, je ne sais pas aller sur l'INA, parler de ça tantôt. Et puis, université, moi, ici. Donc, moi, j'ai un diplôme universitaire en technologie de l'information. Et bien sûr, avec une spécialisation à l'époque, une ingénierie de la connaissance. Donc, les premiers balbutiements, ça nous crée l'intelligence artificielle. Donc, par la suite, on maîtrise en administration publique. Donc, nous n'avons pas fait tout dérouler CV1, parce que le but, ce n'est pas que nous parler de nous, c'est nous faire connaissance. Jodian, moi, directeur des ressources technologiques dans Cégep de Saint-Laurent. C'est-à-dire, c'est une institution d'enseignement ici, dans le pays Canada. Mais faut nous faire attention, nous sommes en province Québec. Parce que le pays Canada, c'est large. C'est ça, il est d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique. Mais moi-même, moi, dans la province, et il est Québec là. Le State Québec, qui lui-même a une particularité avec le Canada, que lui-même, c'est une province côté Mounio majoritairement parlait français. Donc, c'est le francophone, malgré tout le Canada, plus majoritairement anglophone. Donc, notre système d'éducation, hein, donc, nous impliquer là-dedans depuis très longtemps, et technologie. Donc, nous-mêmes, les Noirs présentés, nous aimons présenter, il y a trois vecteurs, il y a trois points qui sont importants. C'est la technologie, qui est ma formation, bien sûr. L'éducation. L'EMDA fait une présentation de qui est mien, mais moi-même, en Haïti, j'ai une chance, j'ai un papa moi, qui est directeur pour l'école, mais plusieurs écoles, l'école publique et privée en Haïti, au Caire. Renaud Stacco, malheureusement décédé, avec ma maman qui était enseignante tout, le mari, Marie-Thérèse Laurette-Hilaire, qui malheureusement décédé, mais nous,
deuxième en l'an, bouillon éducation, disons, d'a fait là-dedans, brasser là-dedans. Et troisième élément, c'est ça, moi, l'implication sociale là. Parce que moi-même, je pense que nous toujours un équilibre, on a un équilibre dans tout élément dans la vie, mais nous avons un aspect équilibre. Pour moi, c'était important, implication sociale là. Et première implication, pour ne pas parler à mon bébé jeune, première implication sociale, moi, c'est pas petite, moi, pour aujourd'hui. Parce que moi-même, je semble intéressant. Président Fonds 1804, président Sommet socio-économique développement des jeunes noirs, directeur technologie dans Cégep de Saint-Laurent. Même d'après, je prendre deux minutes pour me faire une petite expérience que je pensais, surtout que Symposium-là, il y a pas l'aime que il y a des jeunes d'un peu partout en Haïti, capitaine. Ah, mais, les mêmes gars de l'histoire vie, il y a une plus belle réalisation que je me fais. C'est une réalisation que je fais comme petit monde, au Caï, dans la ville au Caï. Moi, j'ai habité bon la place. Et bon place là, c'est mon côté, mon côté, j'étais fatra. À 13 ans, moi-même, on dalle Zambim, que si à côté, moi-même, à saluer, nous avons un championnat football. Mais là, nous avons fait un championnat football là, et que nous avons un championnat, nous avons fait un championnat. Bon la place. Et puis, les n'a fêté, je sorti sur la galerie. Hein? Et puis, je me regardé, pour qui ça a pile fatra ça là? Pendant ce temps, nous tous sous quartier, hein? Pour les gens qui connaissent au Kai, moun bon la place, nous avons des de famille qui sont capables. Pour qui ça nous a pile fatra qui là? Et bien, c'est comme ça que malgré que je suis tout jeune, j'ai 13 ans, nous avons entrepris un plus bel projet selon moi dans la vie. Jusqu'à présent, côté nous te transformer mon côté gain fatra qui devine de nous place publique. Nous planter, nous semer fleur diesel là-dedans, nous mettre gazon, nous faire barrage. Et comment t'es arrivé à financer ça? C'est pas un monde étranger, c'est pas un ONG qui peut être sur nos bonnes corps. Nous avons fait ça, nous avons loué cinéma à l'époque, pour mon capitaine, au CAI Ciné Métropole. Nous avons organisé présentation cinéma, nous avons fait des profits, nous avons fait des collègues, l'an 4, nous avons fait activité et l'argent nous mettait, nous nettoyait. Mais c'est comme ça qu'après un an et demi, nous sommes arrivés à transformer en place côté qui est fatra, ou côté, côté mon côté qu'on a vu, prendre bon lait. Et respirer. Et dernier petit bout de l'élément sur l'histoire, ça, l'impôt de l'électricité sous place là, parce que moi-même, je me dis que si place là belle la journée, pour qui ça, moun pa vin fait étudier l'école, nous, pour qu'on en Haïti, moun qui va y avoir un moyen, pour qu'on en a un bas pour tout lumière, et puis il y a pas belle étudier, mais pour qui ça, nous va pas mettre lumière. Mais pour arriver à mettre lumière, je vais aller dans le bureau magistrat, d'allemand des lumières. Mon cher, nous avons tellement mis le blanc vert, et puis nous avons parlé de l'époque du dictature Jean-Claude Duvalier. Nous avons dit, mais ça, c'est plus simple, nous avons un fil électrique que nous payons électricien avec un monsieur qui est important dans le projet. Ça, nous avons dit, monsieur Marc Jeune, qui sont industriels dans la zone qui n'est pas habité loin. Nous prenons un fil électrique de la Gali, nous menons sur place là. Et je me suis accepté parce que c'est un bel projet pour place la tête. Mais l'histoire m'a parlé de nous, il fait avec moyens par nous, avec volonté par nous, avec des petits jeunes de 13, 14, 15 ans. L'aime de prendre le parti, je te fais une belle récompense, j'ai mis de décider de mettre place à son nom. Mais ce n'est pas le fait de place à son nom qui est important, c'est que comment nous te transformer au côté fatra. Ou côté côté moun ka vinn li ka vinn prend bon janvan. Mais en plus le projet fait des petits, donc ça qui vient arriver c'est que l'époque ça tout jeune qui vient fatra bon la caillou ça au fait yo ramasser fatra et nous même nous on a fait la tournée pour te ka expliquer moun yo comment nous te fait. Donc m devle dire ça parce que jeune capitaine Néo c'est très très important que pour changer les choses, nous devons entreprendre des petites initiatives qui
permettre-nous entreprendre les choses et changer le monde. Donc, et ce n'est pas toujours une question de monde dehors ou moyen pour nous faire une originalité. Donc, c'est, ça a présenté pour une longue présentation sous moi, même parce que c'était important. Maintenant, là, nous arrivons au Canada, nous connaissons une communauté haïtienne. Nous-mêmes, dans la communauté, nous avons deux, trois enjeux qui ont un problème qui est en Haïti, c'est l'accès du monde à l'école. Mais là, au Canada, par un problème d'accès. Tout le monde à l'école et même la loi oblige tout le monde à fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Si un petit monde pas fréquenté l'école, parents n'ont pas de problème parce que des bougies 16 ans et moins ont obligé l'école. Donc, le problème nous au Canada, c'est un problème de fréquentation. Mais ça, quand on arrive, si les gens viennent dans l'école, ils ont tout moyen, ils ont des difficultés et ils ont un problème, ça va aller. Persévérance scolaire, c'est-à-dire que des petits mouns qui jouent à l'école et qui font face à des difficultés, les arrivés dans l'âge côté l'école pas obligatoire là, qui en doit abandonner. C'est comme ça que nous avons remarqué que nous jeunes sous 5 à l'époque, pas de fini secondaire en 5 ans. Parce que pour nous capter des manes Haïti, système pas avec système haïtien, hein, pas même. Parce que le système Canada au Québec, secondaire, il y a 5 ans seulement. Tandis que nous-mêmes en Haïti, il y a 6 ans. Mais pour nous dire ça, là, nous commençons à parler de dossier. Hein. Mais c'est comme ça que nous avons remarqué que jeunes Haïtiens, jeunes Noirs qui au Canada, gagnent un pourcentage plus élevé qui va être complété. Nous disons, oh non, nous ne pouvons pas faire ça. De là vient l'idée que pour nous bas jeunes, un message de fierté. Parce que lorsqu'on donne des statistiques qui pas à l'avantage, il y a créé la caillou un sentiment que nous pas qu'à réussir. Et nous-mêmes, nous pas lever ça. Donc, nous avons décidé de créer une organisation pour te carrer un message positif. Mais l'organisation, ça, elle a cherché qui non, qui bagaille qui a fait jeune haïtien, prend confiance dans la tête. Yo. Et bien, nous t'es plongé dans l'histoire, nous. Parce que nous disons, ça fait que nous n'avons pas fini l'école, c'est parce qu'elle fait face à des difficultés. Et bien, qui plus gros difficulté au monde gagné dans la vie, c'est l'ordre esclave. Et qui seul peuple esclave qui combat de propre tête libre pour le donner libre, c'est Haïti. Mais c'est comme ça que nous créons une fondation qui peut aider jeunes rété et réussi l'école, mais non fondation, on a regardé le sous-maillot là, c'est fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Pour qui ça 1804, pas besoin d'expliquer nous-mêmes, mais les m'a fait discours à travers le Québec, dans tout discours, je suis obligé d'expliquer Mounio que nous avons les fonds 1804 parce que 1804 sont dates importantes pour l'humanité. Et nous-mêmes, jeunes, nous captons à travers la République. Nous pensons que même les nouvelles choses ne peuvent pas marcher sur nos droits. Mais faisons-nous toujours rappeler que nous réalisons dans l'histoire récente du monde, seule révolution d'esclaves qui réussit, mais encore plus important, c'est seule révolution universelle. C'est-à-dire que les Noirs, l'école en Haïti, ils ont sûrement parlé de trois révolutions. Ils ont sûrement parlé de révolution française, nous parlons de révolution américaine, révolution haïtienne. Mais dès leur révolution, c'était des révolutions pour le monde blanc. Ce n'est pas pour le monde seulement. C'était des révolutions qui étaient quimbées ce système-là. Mais la seule révolution qui était faite pour le monde, peu importe ça nous est, c'est la révolution haïtienne. Donc, lui-même, c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes tellement fiers de lui. Au Canada, nous avons une fondation créée les fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Et que nous-mêmes, Haïtiens, nous aidons des jeunes Haïtiens. Mais comme révolution haïtienne dans son révolution pour tout le monde, nous avons décidé nous-mêmes d'aider tout le monde. C'est comme ça, en moins de 7 ans, jeudi, le fonds 1804 pour la persévérance scolaire, c'est une plus grosse fondation
qui existait au Québec dans l'affaire persévérance scolaire. Nous déjà aidé 804 timounes noirs, blancs, asiatiques, autochtones, toutes nationalités au Québec. Chaque année, nous tendance by bourse et aider au moins en général 125-150 timounes. Nous très fiers de lui. Moun Canada est fier de réussite là parce que c'est un bagage nous-mêmes haïtiens qui mettent tête ensemble et qui joignent Jaret, l'autre partenaire, pour nous créer, ça nous dégare les fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Donc, nous faisons ce couvri deuxième point, je vais avancer dans la présentation, sous qui est ça, fonds 1804 là, et nous avons souhaité qu'avec ce symposium là, son début, nous pas qu'on intervenu en Haïti, mais ce n'est pas intéressé, nous pas intéressé. Mais nous connaissons un jour qu'à privé, fonds 1804 a obligé faire des interventions en Haïti. Parce que je dis, hein, pour le monde qui a parlé de affaires éducation, persévérance dans l'école au à Montréal et au Québec, qui ne peut pas penser inviter fonds 1804. Nous sommes très, très fiers de ça et nous disons coup de chapeau, c'est bah, nous tous liés. C'est bah, dans cette nuit, mais aussi bah, tout le monde dans la communauté. Troisième point, nous disons que nous avons fait connaissance à Cégep de Saint-Laurent. Mais Cégep de Saint-Laurent, le système scolaire, nous-mêmes, nous connaissons en Haïti. Système noir, il découpé, les maps du système noir, système haïtien, il y a un découpage différent. Par exemple, l'école primaire, 6 ans, l'école secondaire, normalement, 6 ans, après ça, nous allons à l'université, etc. Tandis que nous-mêmes, au Québec, nous avons un système unique. Des fois, pour une société réussie, nous arrivons à faire des bagailles qui répondent à besoin. Mais dans le système Québec, là, ou faire secondaire ou faire primaire ou en 6 ans, ou faire secondaire là en 5 ans. Et tout le monde qui finit secondaire, tout jeune, ou obligé à aller dans l'école, il y a les cégep. Cégep là, il fait 2 ans ou 3 ans. 3 ans, si vous voulez apprendre un diplôme technique, c'est-à-dire qu'il y a un pile métier comme infirmière, comme programmeur, comme un pile l'autre métier qui prend 3 ans. Donc, on a fini le fait secondaire là. Il fait 3 ans dans le cégep là. Et puis, il y a un diplôme qu'il a travaillé directement. Sinon, il y a arrêté seulement 2 ans. C'est ça, nous parlerons les formations générales là. Et après 2 ans, ça, il y a pour poursuivre études l'université pour le fond diplôme que nous allons le baccalauréat. Ah, mais Cégep Saint-Laurent, c'est une institution enseignement supérieur parce qu'elle est finie après secondaire, qui décerne pas loin de 20 programmes distincts. Et m'a souhaité mon capitaine de nous là, ça qui est internet. Nous allons visiter site Cégep là, www.cégep, C-E-G-E-P-S-L, comme dans Saint-Laurent.qc.ca, équipe technique là, pour avoir des informations, et puis m'avoir des informations partagées pour nous avoir qu'il y a 20 diplômes qui sont dans le Cégep de Saint-Laurent. Et adresse fonds 1804, c'est fonds FONDS 1804.org, côté que nous-mêmes, nous allons aller visiter. Comme équipe technique là, il semble bon accès. Avant nous finir, m'a montré nos pages internet ça pour nous donner information. Donc Cégep Saint-Laurent, il y a presque 3700 élèves là-dedans qui fait soit diplôme technique et collège et préuniversitaire et l'autre diplôme formation continue, ça veut dire les formations plus courte durée, ce qui fait que grande population de presque 5000 monde et moi-même depuis 15 ans il y a plaisir de travailler dans Cégep là. Moi-même, je fais partie de direction Cégep là. Moi-même, responsable direction ressources technologiques. Donc, nous faisons connaissance à VEM, nous faisons connaissance à deux éléments de travail. Mais mon troisième, je ne vais pas t'oublier de parler nous, parce que nous avons vu de dans les villes qui sont là. Nous présidons l'autre organisation, il y a les sommets socio-économiques pour le développement des jeunes des communautés noires. Ça, c'est une organisation qui regrouper 45 organisations dans Québec là, pour dire que nous travaillons ensemble
Parce que là, il a parlé de racisme. Les gens qui sont racistes, ils ont couleur pour eux, ils n'ont pas de nationalité. Donc, nous comme noirs, côté haïtien, côté jamaïcain, que n'importe qui origine, c'est comme ça que Anda Soméa nous dit, on met tête nous ensemble, parce que on sait des difficultés nous fait, que difficultés ça nous fait face, c'est parce que nous noirs, donc c'est Soméa, donc son organisation m'a présidé, nous remercier M. Widen Donneville, qui est responsable développement Soméa, qui est là avec nous et qui a travaillé sur un très, très bel projet. Maintenant, nous arrivons sous bout pour me présenter nos communautés haïtiennes Montréal. Mais les communautés haïtiennes Montréal, c'est que c'est une communauté plus importante. Selon la dernière recherche statistique faite, donc chaque 5 ans, ils font une recherche statistique au Canada, ils ont des recensements, ils ont gagné en Haïti tout, parce que Haïti, c'est peut-être 10 ans. Mais il y a presque 145 000 personnes qui identifient Tedio comme étant une ou deux origines haïtiennes. Soit que eux-mêmes ont fait en Haïti, soit que parents l'un des deux parents ont fait en Haïti. Donc il y a au moins 145 000 personnes. Pour me donner un exemple, il y a 220 000 personnes noires au Canada, donc 50% là-dedans, c'est haïtien. Donc, haïtien, c'est dans le Québec, pas dans le Canada, parce que le Canada a 1 million de personnes noires. Dans le Québec, dans la province Québec, là, nous, c'est 50% de population noire qui vient dans la province. Là. Donc, son population qui vient là depuis longtemps, il y a des gens qui l'ont depuis plus que 60-70 ans, mais depuis la dernière année, nous connaissons qu'il y a plusieurs arrivées parce que chaque fois que nous avons fait venir par un haut, mais il y a des événements tout qui font que Haïti, malheureusement, fait ses volumes et surtout jeunes, des fois, il y a obligé de bâtir par la situation. Donc, c'est comme ça que la population haïtienne Québec est en augmentation. Si nous regardons, il y a cela 10 ans, il y a à peine 90 000, 95 000 personnes qui étaient d'origine haïtienne. Maintenant, communauté haïtienne Montréal, est-ce que son communauté riche en un pays? Bon, là, nous avons des situations, nous on a dit, nous ne pouvons pas comparer avec la situation en Haïti, mais là, on regarde en dans Canada, en dans la population Québec, là, mais les gens qui ont origine haïtienne, ils ont même revenu plus bas que revenu population. Donc, je vais vous donner juste un exemple, c'est qu'en moyenne, les gens qui sont québécois, canadiens, ils gagnent 42 000 $ par année. Okay, dollars canadiens. Mais si vous êtes d'origine haïtienne, statistique ouais que l'État censé gagner 32 000. Ça veut dire nous avons un écart de 25 000. Bon, mais quand même, quand on regarde, c'est quand même des très bons niveaux de vie. Population haïtienne Montréal, là, Québec, là, sont population haïtienne qui vivent un peu plus de chômage. Par exemple, en moyenne, nous presque que y a deux fois plus de chômage. Donc, dépendamment qui j'en chômage là, l'LB, c'est le BC pour nous. Mais c'est comme si l'écart entre Haïtiens et l'autre monde, il a toujours été de 2 pour 1. Donc, ça veut dire qu'en 2019, nous avons estimé que le chômage pays était à peu près 5%. Et dans la population haïtienne, on en a dit entre 8 et 10%. Donc, ça veut dire qu'on fait face à un peu plus de chômage parce que racisme, là, discrimination, là, c'est une embarras et tout. Même de parler de réussite jeune, donc c'est aussi plus ou diplômé, moins ou bien chômage. Rester l'école, c'est ascenseur social qui est plus important. Par contre, qui jeune, capitaine de nous, les noirs à l'école, au lieu de grimper pour nous monter dans la société, normalement, pays bien organisé, l'école, c'est meilleur ascenseur social pour capitaine. C'est-à-dire que, ou bien on dit escalier, ou l'image ascenseur qu'on a pas là, l'entrée l'école, c'est façon plus rapide normalement pour monter. Donc, tout chiffre, c'est sûr que plus on est diplômé, plus revenu l'important. L'un qui domaine nous y est, mais haïtien lui-même, il est présent dans un pile domaine. Bien sûr, nous pas tous dans le même domaine,
mais il y a des secteurs qui sont un petit peu plus importants dans la présence de nous. Par exemple, nous rappelons le secteur de la santé, côté que nous avons plusieurs infirmières, nous en avons un monde que nous connaissons. Il y a aussi le secteur des services sociaux et éducation, côté que nous avons une bonne présence. Bien sûr, nous toujours gagnons secteur service tout, qui c'est un secteur côté nous présent. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes communauté qui dans un seul domaine, mais nous connaissons que domaine santé est important, domaine éducation. En termes de développement économique, nous connaissons le secteur taxi, hein, c'était un vecteur économique important, mais malheureusement, ces temps-ci, avec question Uber là, donc permis, valeur permis taxi, nous avons des gens perdus. Mais nous sommes une communauté, nous avons dit, qui n'a pas fait partie de communautés riches dans le Canada. Si nous regardons la communauté, nous-mêmes, nous sommes dans la communauté qui est censée moins favorisée. Pas parce que nous sommes moins bons, parce que là, nous allons au pays blanc pour faire face à une série de difficultés. Bien sûr, nous sommes en Haïti avec un système d'éducation qui est moins fort. Des fois, ils reconnaissent les compétences au moins que si vous êtes diplômé, par exemple, en France. Nous, nous qui fait même diplôme en France avec même diplôme en Haïti, le niveau au Canada, c'est sûr qu'il y a plus de difficultés. Donc, c'est ça qui a expliqué, entre autres, question nous-mêmes par rapport à la question économique. Donc, nous parlons de communauté, hein? Nous parlons de caisse moyenne, de sujet plein de fonds. Hein? Maintenant, nous allons parler sur question transformation numérique. Pourquoi ça nous parler de transformation numérique? Je pense que tout le monde là, nous avons compris le rôle outil informatique. Pendant longtemps, informatique était un rôle de outil. C'est-à-dire que, on prend un exemple bien simple. Avant, nous avons qu'on fait payroll à la main, du bon cahier, côté le métier, non côté mon employé, qui le travail, etc., le calcul, il fait tout le calcul, il va au chèque. Il dit, on a fait ça à la main. Dans du moment, arrivé informatique, on vient faire bagage à eau par des moyens numériques. Mais c'était des outils. Par exemple, une calculatrice, c'est nos outils. Et en pile fois, question outils, hein, c'était premier base succès informatique. Mais aujourd'hui, hein, il y a tellement de développement qui fait dans le domaine numérique. Hein. Ça a eu un impact, côté nous dit que, ou pas qu'à concevoir mon nom informatique là, comme un outil. Parce que l'I est vraiment impacté comment même ou qu'a pensé. En nous regarder aujourd'hui, oui, nous utilisons nos outils, mais nous avons des moyens de communication qui permettent nous penser, faire des bagailles autrement. Avant longtemps, pas avant longtemps, il y a cela longtemps, quelqu'un qui voulait démarrer une entreprise avait quasiment une obligation, c'est une structure physique. Ou un côté, et un côté qui existait, ou bien tout un système. Je dis, on a démarré une entreprise qui s'est notamment en français dématérialisée. Qu'est-ce que ça veut dire dématérialisée? On peut avoir une entreprise totalement qui n'existe que dans le monde numérique. Côté ou pas, j'en ai une adresse pour aller à l'entreprise. Et il y a une entreprise qui a un impact extraordinaire. Par exemple, je dis là, dans le symposium, là, nous avons un symposium qui est totalement, quasiment dématérialisé. Moi-même, au Canada, Jean, qui a pris de nous là, Baron Goudelier, Félix, etc. Donc, transformation numérique, là, aller au-delà de la question d'outils. Et c'est important que ça ouvre des opportunités importantes. Ça veut dire de concevoir dès le départ différemment tout développement économique
et sociale. Maintenant, ça bat des opportunités tout. Parce que dans un pays comme Haïti, qui est un pays moins développé, ben Haïti n'a pas des infrastructures industrielles extrêmement élevées. Mais avec transformation numérique, ou une opportunité qui a développé rapidement, nous des possibilités côté que malgré une défaillance en infrastructure industrielle, ou qui a développé ça. Par exemple, je dis en là, nous avons utilisé WhatsApp en Haïti. C'est un système qui permet deux Haïtiens communiquer ensemble totalement, qui bagne énormément d'infrastructures en Haïti, à part infrastructures pour nous, téléphones cellulaires et autres. Donc, c'est-à-dire que il fait ça. Il permet tout faire reculer frontières technologiques et écart développement. C'est-à-dire que en temps normal, distance non tellement importante, ça t'est qu'à agrandir temps d'échange et de développement. Jodi an, avec transformation numérique, hein, nous allons aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est comme ça que nous avons regardé là, nous tous vivons une transformation, une révolution. Après, nous avons attendu là qui va vivre une révolution. Je vais vous donner un exemple. Il y a cela 20 ans, Facebook n'a pas existé. Pensez que Facebook, c'est récent. Donc, la plupart, bon, c'est sur ce que nous disons, il n'y a pas à vivre. Ça veut dire que nous vivons une transformation d'arriver dans une série d'entreprises, dans une série d'outils et dans tout domaine. C'est comme ça, aujourd'hui, en éducation, si vous avez accès à des connaissances de niveau universitaire, normalement, pas nécessairement aller dans l'université, dans le pays où vous avez. Mais aujourd'hui, Cégep Lan, par exemple, Cégep Saint-Laurent, nous avons des formations qui baillent en ligne. Donc, lorsqu'on baille des formations en ligne, ça permet que des groupes moun qui n'ont pas gagné accès à une infrastructure pour une formation, ça, gagne. Ça veut dire que aujourd'hui, en Haïti, ou on doit chiter en Haïti pendant qu'on regarde des moments là, et pouvoir suivre une formation dans Cégep Saint-Laurent. Sans qu'on parle fait demande un visa ou on refuse un visa. Sans qu'on donne l'opportunité. Donc, ça veut dire transformation numérique, là, ben, un paquet d'opportunités. Il y a tout des menaces. C'est sûr que toute transformation importante, il y a des menaces. En nous prenant un exemple bien simple. Une menace qui vient actuellement, c'est par rapport à la démocratie. Avec transformation, hein, nous connaissons que Jodia, élection, de plus en plus qu'à victime de fraude, de campagne de désinformation à haute échelle. Avant la période actuelle, c'est sûr que les gens dans la radio dit n'importe quoi. Mais lorsqu'on commence à parler dans la radio, le temps pour tout message là aller et illustrer, ça est limité parce qu'on va peut-être les voir au cas du tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont deux aujourd'hui lancé une campagne de désinformation totale et en moins d'une journée ou deux, des dizaines et des centaines de milliers, voire millions de personnes affectées. Nous avons même créé virtuellement des choses qui n'ont pas existé. La plupart du temps, des gens qui ont des bagailles sur WhatsApp, ils disent ah, mon cher tel bagaille, moi, je suis sur WhatsApp, regarde des vidéos. Je suis obligé de dire non, lorsque je joue une vidéo, ça va me dire. Parce que une vidéo, pensez qu'il fait là, pas fait. Parce que le monde virtuel, ou qu'a édité, changé, et si nous voulons nous rendre à regarder une vidéo que vous faites pour être illustré, quand vous faites un Barack Obama d'un discours que le pas dit. Donc, c'est-à-dire que exposition nous à la désinformation, c'est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Donc, ce n'est pas transformation, pas juste mon point. Et puis moi-même, nous devons attirer l'attention. C'est très, très important, nous-mêmes, jeunes capitaines, pour nous développer esprit critique. C'est hyper important. Pas parce qu'on voit une vidéo pour dire que c'est vrai. Pas du tout. Parce que des fois, nous donnons une vidéo, c'est vrai, ça fait en Haïti. Vidéo que vous montrez, pas en Haïti, le fait, son vidéo, fait l'autre bord. Donc, des fois, il y a des bails bien simples, et nous valide des sociaux, etc. Donc, là, vous dites que transformation numérique, là,
il juste gagne des avantages. Mais aussi, en parlant de démocratie, c'est sûr que ça permet de faire plus de services à la population. C'est-à-dire que les populations reculées avant, si nous regardons Okaï, qui est la troisième ville pays, hein? Bon, déjà, Haïti est un pays extrêmement concentré pour dire nos services sont à Port-au-Prince. Donc, des fois, il y a quelques services qui sont Okaï. Donc, si nous habitons plus loin, il faut venir au Okaï pour jouer nos services. Je dis, hein, avec nos transformations numériques, mais si le gouvernement transite les services en ligne, il va permettre de corriger des problèmes qui sont reliés à la distance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont éloignés, qui ont besoin d'accès à une série de services. Mais pour nous attirer profit à transformation, hein, nous avons une série de bases pour nous gagner, c'est certain. Une base pour nous gagner, c'est assurer nous de l'accès. Bien sûr, il y a des éléments techniques. Si par Internet d'un côté, toute transformation n'a pas l'eau là, c'est pour une transformation que nous n'avons qu'à vivre. Si nous pouvons bagay qui était physique, nous voyons le monde virtuel avec Internet comme canal principal, bien sûr que l'accès à Internet là, il vient tourner un droit. Parce que si nous voulons rendre le gouvernement, rendre le bagay plus accessible, c'est pour nous assurer, entre autres, accès. Ça prend des équipements. C'est sûr que son petit téléphone, on sait de bagay au café, mais on limite le téléphone dans rien. Tel que il y a des équipements qui pour gagner. Mais aussi, ça prend accès à un système d'éducation de qualité. Et si tout le bagage est plus virtuel, plus numérique, c'est important pour littératie, ça veut dire niveau, capacité mounio à lire, augmenter tout. Outils, ça va aider, mais si nous ne gagnons pas ça, nous avons créé l'autre monde à part, et paysan nous, qui c'est base pays, hein, si on aurait été derrière, il n'y a pas même vivre dans l'autre pays, il n'y a pas vivre dans l'autre monde. Donc, c'est important que nous fassions ça. C'est comme ça que au Canada et en pile l'autre pays, nous avons un dossier où parler de la fracture numérique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des enjeux de transformation, il faut faire attention à la fracture. Cette fracture-là, c'est l'écart qui est créé entre les gens qui ont accès à la formation et pas formation, à la transformation. C'est-à-dire la plupart de nous-mêmes qui avons gardé nous là. Donc, nous avons accès à la transformation. Hein? Et les gens qui n'ont pas accès. C'est comme ça, nous obliger au Canada aider les gens qui sont plus défavorisés. C'est comme ça, là, on a parlé de nos projets qui sont responsables là-dedans. Le projet sur la fracture numérique, nous avons une organisation pour nous aider des communautés, nous accéder encore plus à un monde numérique. Nous mettons sur un programme côté que nous avons distribué pour 1200 familles, qui va arriver presque 1500, des ordinateurs, nous payons Internet pour eux, mais nous bâillons formation. Nous aidons à comprendre le monde numérique. Donc, c'est très, très important là-dessus, qui pour permettre que la transformation soit accessible. Le dernier point maintenant, coopération. Hein, c'est sûr que, journée aujourd'hui, hein, la distance, c'est une bagaille qui crée une notion de diaspora. Bon, nous-mêmes, nous en connaissons, mais essentiellement, les on parle de diaspora, ça, ça veut dire, c'est vous prenez une communauté, un pays, une collectivité, une culture, whatever, non partie d'un pays, et c'est dispersion population. Là. Donc, notion de diaspora, il est relié à la distance. Parce que soit vivant en Haïti ou pas la diaspora, parce que on est dans le même territoire là. Donc, diaspora, c'est des mondes qui vivent une distance tout en étant attachés à la culture, la culture, la langue et peut-être le pays même. Donc, les Noirs parlent de coopération entre diaspora et nous-mêmes en Haïti. L'un des principaux problèmes qui existait, c'est la distance. Et tout le monde parle avec nous, l'un des transformations numériques en fait, si nous suivons, les rapprocher distance.
li élimine presque par moment distanciation. Parce que je dis en là, ou ka interagir avec, et ou ka wem, et nous ka travail malgré distanciation. Donc, coopération traditionnelle là, qui fait face à difficulté de distance là, le monde de transformation numérique, li bay énormément d'opportunités. En vendant nos mutés jusqu'à 15 pour faire nos présentations avant de faire échange là, m'a ban nous quelques exemples. M'bay exemple symposium là dès le début. Je me dans attendre nous dire symposium là, c'est un exemple côté moyen numérique enlever distance là. Parce que si nous pas utiliser moyen numérique, l'argent que ça t'a demandé pour retrouver nous toutes dans la même pièce, c'est extraordinaire et COVID n'a pas permis de faire. Mais nous avons d'autres opportunités totalement différentes. Je dis, il y a des pays qui offrent des services à des populations qui parlent à caillou. Un de mon exemple bien simple. Des fois, on a les longs lignes téléphoniques pour un support. Je ne sais pas si nous accompagnons au Canada. Mourez-le, bonjour. Mais mon Dieu, pour nous, on pas vivre au Canada. Mon Dieu, pour nous, on ne peut jamais mettre pied au Canada. Mon Dieu, pour nous, on à vivre dans l'autre pays. Et pour qui ça a fait ça? C'est grâce à la transformation numérique. Là, permettre. Ça veut dire que, aujourd'hui, nous avons fait des projets en Haïti et diaspora qui permettent que nous concevoir des projets qui englobent les deux. Parce que l'élément de distance là-dedans. Je prends un exemple. Moi-même, j'ai toujours rêvé, mon contrat dans le domaine BAM, que pour qui ça me parle de mon contrat à un programmeur en Haïti qui a travaillé son projet avec un programmeur au Canada. Nous parlons créole, nous parlons français, nous allons interagir ensemble. Transformation numérique, ça va permettre de nous développer une firme de développement de logiciels qui est basé à la fois en Haïti et au Canada, qui fait intégrer des employés d'Haïti et Canada qui ont communiqué. Nous avons des projets, nous avons bâti ensemble des co-entreprises qui font ça. Mais nous-mêmes, tout, nous avons fait des projets sociaux ensemble. Par exemple, nous avons dans le temps, aller, même des fois, nous avons fait le bien, des fois, nous avons fait le mal, mais on regarde aujourd'hui des idées très porteuses qui doit plus facilement rejoindre la diaspora. Bon, il y a des plateformes, ça s'appelle les sociofinancements. Pour dire que la diaspora rapidement a touché. Mais si nous regardons l'autre élément encore plus intéressant, c'est que ça qui est diaspora, c'est qu'elle continue à identifier à pays d'origine. Mais si on l'a identifié la li, il va plan diaspora, la bret est noir. Nous dans la noir même pas la diaspora haïtien, hein? Parce que m'a identifié navel. Mais jodi an, vitesse d'échange culturel possible. Jodi an, on va écrire un livre en créole pour considérer que lectorat là ou ga inclus moun Montréal là-dedans. Parce que en 150 000 moun Montréal yo, si nous avons des villes en Haïti, c'est que, pas force aux statistiques Haïti, mais c'est que nous avons considéré Montréal comme une des quatre plus grandes villes d'Haïti. Bon, pas au vrai, c'est dans la ville au Capoui, mais peut-être au Naïve, peut-être au Caï, mais après ça, l'autre ville est plus petite que Montréal en termes de nombre d'Haïtiens. Mais sauf que, où on pouvoir économique au Canada, côté Mounio qui a consommé plus rapidement, c'est-à-dire que vous avez des opportunités d'affaires qui ont été faites pour intégrer le pouvoir économique. Ça. Parce que si vous prenez le pouvoir économique, mon diaspora Montréal, là, ou prenez le pouvoir économique, mon diaspora Miami, hein, ou prenez le pouvoir économique, mon diaspora qui New York, là, et vous prenez toute diaspora, ça, vous commencez à créer un potentiel plus large. Et je pense que les produits culturels, les hauts bienfaits, qui a bénéficié très rapidement de ça.
Pour qui ça c'est important? Parce que lui qui a bénéficié pour transférer économie, l'argent dans le pays d'Haïti, mais aussi pour qu'il y ait un rattachement culturel. Là. Parce que si diaspora non, il pas voyage en Haïti encore. Il y a quelques familles, mais on connaît que son famille là, plus soit vieilli, les gens qui voulaient faire maman, papa, venir, plus distance là. Donc, communication, ça, le projet, ça a créé une diaspora plus forte parce que nous avons échangé plus. Donc, le monde numérique là, c'est un monde extraordinaire. Je dis à nous-mêmes qui sommes jeunes, Captain Dim, nous concevons un projet, nous avons diminué l'importance de distance là. Nous avons diminué l'importance de distance. C'est sûr que la distance est gagnée. Si nous étions ensemble, nous avons interagi avec l'autre gens. Mais je dis, hein, nous, jeunes qui concevons un projet, m'invitez-nous dès le départ, questionnez-nous sur ça. Et rapidité de développement des entreprises, beaucoup plus important, je dis. Hein. Par exemple, en nous retournant à cela 20 ans, son entreprise a commencé, ben, souvent, il faut acheter un ordinateur, il faut acheter tout l'équipement au complet. Mais je veux dire, c'est des services qu'on a gagné presque gratuitement au début. Les projets à développer, ou payer un peu plus. Et les projets à venir plus gros, payer jusqu'au moment où on dit, ah mon cher, le projet là est tellement bien, je ne peux pas faire pas mal. Donc, en pile fois déjà, on se paquet ensemble de services disponibles gratuitement. Je dis, on a fait une conférence Zoom, par contre, comme on dit sous lit. Donc, si nous en pile, on a obligé de payer, mais sinon, la plupart du temps, on a fait un Zoom d'une trentaine de minutes avec l'autre monde gratuit. Ça veut dire, ça veut dire les barrières à l'entrée, puis bas. Donc, on a conçu à Baraïo, nous avons des opportunités, et opportunités, ça a relié particulièrement à toute transformation numérique. Là. Donc, qui va permettre que nous tous nous coopérons. En résumé, Montréal sont forces importantes. Pour qui ça? Parce que dans toute ville, nous n'en avons qu'à parler. Montréal, nous avons un territoire francophone en Amérique. Et à ICO, en Haïti, nous sommes un pays quand même qui est créole, là, c'est langue maman nous, mais français, c'est une langue importante. Ça veut dire qu'en pile fois, l'information est plus accessible quand il sortit de milieu francophone. Parce que pour qu'elle milieu anglophone, non, des fois, il y a une barrière. C'est-à-dire que Montréal a un rôle important. Oui, il y a pour la France. Non. La France gagne elle, mais la France gagne en plus distance. Non. Mais Montréal, même physiquement, en temps normal, c'est à 4 heures. Son diaspora qui est forte, qui a organisé, je dis en politiquement parlant, une diaspora haïtienne Montréal là, commencer à impliquer à haut niveau. C'est peut-être ça au Canada, là, je vais deux exemples. Nous avons plusieurs députés qui sont d'origine haïtienne. Nous avons comme Dominique Anglade, qui est chef parti opposition, hein, qui est d'origine haïtienne. Mais nous avons comme Franz Benjamin, qui sont députés d'origine haïtienne, qui sont poètes, Franz Benjamin, qui est un paquet de livres en créole, tout. Qui c'est nouveau personnage politique. Ça veut dire que nous avons implantation importante, nous avons attachement, nous partageons même langue, français, créole. Pas dit que nous avons des États-Unis, il pas gain importance en rien, oui, mais nous partageons plus de choses. Maintenant, c'est pour nous augmenter flux de communication plus large que question vous voyez manger et vous voyez l'argent. Parce que selon moi, vous voyez manger et vous voyez l'argent, ça, c'est de l'assistance humanitaire reliée à des questions plus de famille. Ce n'est pas ça qu'on va le développer en Haïti. Mais ça qu'on va le développer, c'est des idées créatrices, des idées nouvelles tirant profit de transformation numérique. Hein, et force des deux éléments et qui coopèrent et pour nous qu'à sortir de nos débats en Haïti qui toujours pensent que diaspora étrangers, etc. Ça, c'est un débat futile lié. Parce que dans ça, nous, il y a, si nous tous travaillons ensemble, diaspora et ici en Haïti, nous augmentons des flux d'échanges de toutes sortes, culture, scientifique,
médicales et autres, nous devons aller plus vite. C'est comme ça tout. Moi-même, je vais terminer dans le point blanc pour me donner un exemple bien simple. Dans le sommet socio-économique, là, nous avons fait des vidéos en français et en créole, mais une vidéo nous fait en créole pour parler de questions des informations sur COVID. Nous avons fait pour faire publicité sur Haïti. Jodi, oui, nous avons témoigné de ça. Nous avons fait un projet de Canada et puis nous avons atteint une population. Non. Donc, c'est un exemple pour des vidéos, ça. C'est arrivé vu des milliers et des milliers de fois en Haïti même. Parce que nous sommes arrivés à faire ça. Ça veut dire que le projet a financé 100% au Canada, mais impact là, il y a Haïti. Et moi-même, je pense que Haïti plein cerveau là-dedans, plein de jeunes originaux, qui ont originalité et créativité, c'est pour nous faire des échanges comme symposium là, pour augmenter l'échange. Et non pas ouais diaspora comme au monde qui trouve l'argent, ça c'est assistance liée à payer des mounes, mais ça pas besoin de développer pour nos pays d'un niveau pour nous gagner l'eau tant aussi longtemps nous avons seul sens de d'échange. Je veux dire pour gagner échange d'Haïti vers nous-mêmes et de nous-mêmes vers Haïti, c'est comme ça que nous avons une coopération qui bénéficie de transformation numérique. Équipe là, m'espère me battre trop long, je t'ai dit une heure de présentation, on prend deux minutes de plus. Absolument pas. Merci infiniment pour une si belle présentation, Monsieur Stacco. Et nous allons passer à une série de questions. Comme d'habitude, nous prenons des questions soit en ligne, et nous sommes capables de voir sur le groupe Lantou, et les gens qui sont en Zoom sont capables de même tout raise hand, lever main nous, et puis à partir de là, nous prenons des questions. Donc, bon, moi, dit merci, Monsieur Stacco. Et je voulais remercier tout Monsieur Benjamin Franz et qui t'a fait coordination. Hein. Donc, et qui s'est fierté nous, tant qu'on même s'est fierté nous, monsieur Stacco. Ça fait nous content lorsque nous gagnons de monde qui occupait de belles positions, de grandes positions et à l'étranger. Donc, merci pour l'honneur qu'on fait nous pour que vous êtes capable de présenter jeudi. Nous allons prendre d'abord Kobe Alejandro qui gagne en question. Ensuite, nous allons prendre Jean Léger. Et tant qu'on dit, nous allons continuer raise hand et puis nous allons poser des questions. Moi qui en ligne, soit sur Facebook ou sur Instagram, let me know, please. Ask your questions and I'll m'a posé pour nous. Kobe, go ahead, please. Allô, bonsoir, monsieur Stacco, bonsoir tout le monde. Would you mind sharing the video, Kobe, tant pis? No, I'm so sorry. Oh, that's fine, go ahead. Ou pas un problème du tout, Kobe, allez. Oui. En fait, oui, question de l'antise en pile. Nous te recevons bien, mais pas recevons trop bien encore, non? Écoute, ça va? Ça va beaucoup mieux, voilà, parfait. Ok, si toutefois nous attendons bien, ok, nous mettons l'autre intervenant et puis il m'a posé des questions maintenant. Moi, attendez-vous très bien. Ah, ok, d'accord. Oui. En fait, M. Stacco, et déjà félicitations pour l'initiative là. Et vous faites fierté nous. Même avec Diego qui fait lien avec Timot Network, Transversal Learning, tout paquet d'initiatives, symposium, etc. Donc, première question que je vais me poser, c'est que moi, je suis tendu dans le début, bon, en dynamique temps, présentation, là, que je travaille avec des gens qui sont dans différents horizons. En tant qu'haïtien, ça n'est pas facile, fait. Et d'habitude, loin ici, à fond bagage, c'est toujours là, quand il est toujours bien tendance, venir des gens qui sont dans la communauté vulnérable, mais jamais avec d'autres peuples, tant que les autochtones, les asiatiques. Donc, ça, c'est à féliciter. Même temps, je me connais, comment nous pouvons vraiment, vraiment travailler avec les gens en Haïti? Est-ce que vous avez ça dans le plan? Et si toutefois, quelle disposition, qui mise en place, vous avez souhaité faire pour être capable de joindre avec des leaders en Haïti qui involvent dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de l'éducation? Parce que si je regarde depuis la semaine dernière, je suis occupé un poste important dans le Cégep Saint-Laurent. Et puis, deuxièmement, est-ce que dans l'intervention que vous pour faire en Haïti, est-ce que vous prévoyez accès au domaine d'éducation? Parce que Montréal, on dit au Québec, justement, moi, j'ai un programme qui, après l'école secondaire, ils mettent des formations techniques à la disposition de jeunes Montréalais ou bien jeunes Canadiens ou bien jeunes étrangers qui viennent étudier dans Québec. Est-ce que nous avons l'intention de faire des propositions comme ça avec l'État haïtien pour être capable d'adapter le système, pour être capable de plus de monde qui est disponible, pour être capable de faire une meilleure optimisation des ressources humaines, pour être capable de venir plus main d'œuvre
pour booster l'économie nous en Haïti. Oui, c'est ça en gros. Merci, Alexandre. Son très bonne question. Le point qui est là, intervenu dans l'autre pays, dans l'autre environnement, c'est développer des partenariats avec des partenaires crédibles. Bon, c'est sûr que première phase développement, c'est loi de développer pour enraciner avant des fois la croissance. Okay, c'est bien d'avoir une vision. Mais nous-mêmes, nous devons faire d'installer nos Canada. Maintenant, nous sommes en phase, dans le plan stratégique, nous, ça veut dire plan qui réfléchit sur l'avenir fondation, hein, nous avons Haïti là-dedans. Donc, c'est sûr que nous avons rencontré des mouns et dont des leaders en Haïti pour voir comment fondation a aidé. Et comment vous aider, hein, ben, nous avons un partenaire qui compte milieu, hein, qui a aidé nous à intervenir. Parce que si nous avons une intervention en Haïti qui n'est pas bien faite, non seulement le papier d'Haïti l'a crasé fondation au Canada. Parce que crédibilité n'a rien, nous a perdu là-dessus. Donc, la réponse, c'est oui. Nous voulons et nous devons. Aller plus loin dans sa réponse, nous voulons et puis nous devons. Parce que nous ne pouvons pas les têtes, nous. Pour 1804, pour ne pas l'argent penser à racine 1804. Maintenant, quand il s'agit, nous pensons pour un bel aspect dans la question. Hein. Très souvent, les gens parlent avec des gens en Haïti, des leaders, ils ont souvent référé au système français en éducation et des fois au système américain. Exemple, ben, là, c'est un meilleur exemple que nous avons, c'est le système éducation Québec. Je ne vais pas avoir une réponse, mais je vais faire un et deux petits points là-dedans. Il y a cela à peu près 50 ans. En dans Québec, francophone qui est majoritaire, est en situation économique beaucoup plus défavorisée par rapport à anglophone. Même était beaucoup plus pauvre. L'idée de payer au Québec, la province, met ensemble les élèves aux révolutions tranquilles et transformation au fait dans notre système d'éducation. Et une transformation au fait, c'est permettre accès plus rapide et plus étendu à enseignement supérieur. Donc, exemple, Bailan, Cégepio, ils ont installé Cégepio dans tout territoire paysan, province. Nous avons 48 Cégep. C'est-à-dire que le format Cégep là, te permet que yo plus agile pour une grosse université. Parce qu'une université, plus compliquée. Donc, et ils ont fait une voie qui permet des jeunes, après 5 ans de secondaire, choisir un secteur professionnel, technique et diplômé à haut niveau là-dedans. Et beauté dans ce système-là, que je pense que c'est hyper important pour Haïti, pour penser à modèles arts, c'est que lorsqu'on fait diplôme technique là, si vous avez une capacité pour tourner à faire diplôme, maîtrise, doctorat, il va bloquer. Donc pour moi, moi-même, je trouve que c'est toujours très important. Malheureusement, je fais assez souvent les mappes à l'Haïti. Même toujours dit, mon modèle américain, modèle français, c'est un. Mais seul peuple que je garde un exemple qui font transformation de l'économie en 50 ans seulement, c'est au Québec. Et une base fondamentale que je fais, c'est revoir le système d'éducation. C'est-à-dire que ces GEP-là sont un modèle original et sont un modèle qui permet de développer des programmes très rapidement, qui collait sur besoin. Donc, oui, nous toujours faire, mais c'est important. Voilà, merci pour la question. Alors, il faut que je dise que Kobe, c'est médecin. Donc, monsieur, toujours l'hôpital, il n'y a pas de vlé pour le faire vidéo. Question de respecter. Bon, nous comprenons ça, Kobe, merci beaucoup. Alors, voilà une bonne utilisation du numérique. Respecter la confidentialité. Exactement. Et avant que je passe à Jean Léger, ma première question que j'ai en ligne de Willex. Willex dit, il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a sur le site web peut-être, il dit qu'il y a plusieurs options. Qui trois options qui plus force, options techniques qui plus force Cégep? Et dans qui trois options qui est plus force, non? Bon, Cégep Saint-Laurent, li, bon, faut me dire ça, son Cégep qui existait, Cégep là, en tant que tel, ça fait à peu près 50 ans qu'il est transformé, mais le Cégep là, il a une histoire de plus de 160 ans. Okay. Mais on dit vraiment Cégep là,
Bas c'est le programme technique, un nouveau programme de technicien en architecture. Okay. C'est un programme très, très intéressant. Parce qu'en Haïti, bas c'est nouveau problème. Oui, là. Nous avons une technique que nous exclusif là-dedans, les techniques en eau, technologie de l'eau. Pour tout ça, les eau potable, traitement des eaux usées. Nous sommes même seuls au Québec qui bail programme ça. C'est un programme très intéressant. Nous avons un programme de génie mécanique qui est très, très intéressant. Donc, et nous avons un programme d'infirmière tout. Mais le programme infirmière là, nous gagnons, mais c'est un programme qui gagne partout au Québec. Parce que pour assurer au gain emploi et santé disponible, presque dans toute ville, bon cégep qui baille programme soins infirmières. Tandis que l'autre programme m'a parlé, toi l'autre, c'est plus programme ça. Et ça qui est important, tout, dernier point dans la réponse là, nous n'en avons pas pensé, mais nous avons un diplôme technique dans cégep là, dans le domaine artistique. Nous avons un diplôme technique en musique. Parce que des fois, nous avons toujours une formation technique dans notre domaine. Nous avons une formation pour technique en musique. Nous avons fait 3 ans pour faire une formation technique en musique. Ce n'est pas juste des formations domaine scientifique, génie, mais dans le domaine aussi artistique. OK, parfait. On nous fait place à Jean Léger. Jean Léger, qui est en question? Ma première sur en pile pour intervention et que nous très 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 apprécié. Question Pamela, ligue pour surtout bon comme et ont posé déjà bien entendu, mais les plus focus sur plateforme ça qui c'est et Team Up Network qui c'est symposium là qui c'est transversal learning. Est-ce que il y a une possibilité pour que comme ça déjà existé plateforme ça déjà existe la travail en Haïti, est-ce qu'il y a une possibilité pour ta gagner une sorte de relation ou même ta dit sans besoin faire pour ta passer par plateforme ça qui déjà existe? Ah mais Jean, justement vous dit mot important, relation, et toute relation commence par faire connaissance et chance pour moi connaissance là, c'est par exemple il passer par un monde qui nous soutenons mais non l'importance li député Franz Benjamin, qui l'aide de recevoir l'information, il nous dit, nous, monsieur, fais-nous parler. Donc, nous entreprenons une conversation et nous avons battu une relation. Donc, oui, mais nous avons une étape là, nous avons un échange. C'est nous-mêmes, but pas, ce n'est pas dupliquer en rien. Parce que dupliquer, ça ne va pas en rien. Et dans le développement au pays, développement social, il faut que nous ayons coopération. Mon coopération, hein? Et si nous par exemple coopération, hein, ben Team Up Network pas au Québec, nous au Québec, nous on est aux États-Unis et nous intervenons en Haïti. C'est un exemple côté transformation numérique là, qui a accéléré la coopération. Et nous, l'important c'est que nous bâtissons relation et valider que les partenaires sont crédibles et complémentaires pour nous aller plus vite. Peut-être ensemble des fois. Ou ça prend un peu plus de temps, mon bail des résultats beaucoup plus significatifs. Parfait, et merci Jean-Léger. Alors, petit proverbe qui dit, seul ou aller plus vite, ensemble ou aller plus loin. C'est que, puis on aller plus loin. Parfait, parfait. Donc, bon, effectivement, c'est que déjà, c'est moi-même personnellement, moi crois que son succès que nous avons fait, parce que chaque intervenant que nous gagnons, comprend la nécessité de coopération pour que nous soyons capables de travailler. Ça vraiment fait plaisir, parce que c'était un objectif symposium, non? Pour ne pas dire objectif fondamental, qui genre nous toutes qui, de part et d'autre, à travers la technologie, ça, voilà que à Montréal et moi-même et en Floride, et qui gens nous sommes capables toujours coopérer et gagner, et Kobe par exemple qui est en Haïti, qui gens nous sommes capables vraiment créer de connexions, créer de network, comme ça nous sommes capables de continuer et tant qu'on se dit, établir de bonnes relations à partir desquelles certainement nous sommes capables d'atteindre des objectifs qui ensemble. Si nous avons une autre question, nous avons toujours raise your hand, entre temps, je m'apprends et question sous plateforme. Yo. Ok, moi j'ai une question de. Roselaine dit, est-ce que nous avons un programme pour développeurs? Puisque le temps de vous parler de développeurs. Do you have a program for developer? Bon, bonne question.
dans le cégep PAMLA, nous pas gagné volet développement logiciel. Par contre, il y a l'autre cégep, parce que cégep PAMLA est financé par le gouvernement. Et en passant, juste pour me garder un exemple, la société voulait développer TETLI, comment faire mettre l'éducation en priorité. Je ne sais pas si je suis en prise, mais c'est nous qui avons combien de copes à coûter pour une session dans l'école PAMLA. Et souvent, au Québec, mes frais de base, c'est $145. On s'entend, c'est gratuit. Donc, nous sommes réseau. Il y a l'autre cégep qui a un programme de développement logiciel là-dedans. Mais pour vous qui posez la question, un avantage qui a, c'est que souvent, formation de développement est disponible en ligne. Donc, il y a une diplomation, c'est sur cégep là. Il y a bon, un diplôme qui est reconnu. Mais en attendant, on a développé skills en technologie par des formations en ligne qui sont accessibles. Si jamais nous devons renseigner nous sur formation qui est disponible au Québec dans le réseau public, il y a un site Mabanou, équipe technique qui appelle pour nous, c'est SRAM, le SRAM.qc.ca, SRAM.qc.ca. Donc, sur le site, ça, toute formation qui est disponible à travers le réseau public là, est disponible. Voilà. Est-ce que Gagné m'a permis que les gens qui sont sur la plateforme posent des questions d'abord? Ensuite, je prends le groupe là. OK. Est-ce que. OK, voilà. L'autre question. Sorry, let me quickly get in there. L'autre question, c'est de Dorval. Oh, Dorval, say never mind. I'm sorry. OK. Oui. OK, Dorval dit, est-ce que est capable de gagner un consortium d'organisation à Montréal dans le cadre de la coopération? Est-ce que est capable de gagner un consortium d'organisation à Montréal dans le cadre de coopération. Yeah. Et, très bonne question. Et c'est une peut-être faiblesse que nous avons. Il y a cela quelques années, quelques 20 ans, il y a une organisation dans la communauté haïtienne qui était spécialisée dans la coopération internationale, mais qui était plus rassemblée. Et actuellement, à moins que connaissance moins sous domaine nan perdu des informations, nous pas vraiment gros consortium. Nous gagne en pile coopération qui fait entre Haïti et Montréal et Montréal et Haïti. Souvent nous pas gagne modèle ça nous relé organisation régionale, c'est-à-dire association Okaï, nous fait ou ba ensemble aider à Monokaï, association Monakin, etc. Mais c'est chaque association qui a des relations un petit peu plus bilatérales. Et très souvent, malheureusement, on a observé que pour deux Haïtiens coopérer, des fois, son organisme blanc comme dans lui. Comme si on fait un projet malheureux Oxfam pour le mener en Haïti. Alors, pour moi, il va marcher, non, ça me dit. Parce que absolument. Ça nous oblige vers ça. Mais nous pas vraiment un consortium. Alors, son idiot bail. Intéressant. Alors, bon, permettez-moi, alors, moi, poser une question hein, pour lui, mais je vais vous poser une question peut-être mieux non-sens. Parce que, je crois que tout leader régional, alors, bon, font parenthèse rapidement avec M. Pestaco. Et les trois premiers jours du symposium, nous avons des ateliers, et chaque atelier, yo, et chaque région, yo, chaque département, nous avons une opportunité pour discuter. Et il y a un plan que nous avons dans et l'après-symposium, le post-symposium, c'est exactement question et consortium. Ça, parce que l'été vini de temps en temps pour dire, mais qui gens y ont ensemble organisation capable de mettre ensemble plutôt autour d'un projet commun et puis ouais, qui gens nous capable faire. Et on a eu une rencontre hier soir avec tous les leaders régionaux, nous tomber d'accord sur ça. Et il faut me dire, sincèrement, ça fait me content parce que pour moi-même, c'est peut-être ça a validé et l'un dialogue, l'idée pour que nous gagnions un consortium. Non? Et je crois que leader régional, capitaine de nous, hier soir, peut-être c'était meilleur et discussion qu'on a fait vraiment pour nous gagner de telles initiatives. Donc, c'est important.
si vous permettez moi ajouter, et je pense que souvent, de vision, nous songeons, mais nous ne pas vivre, nous ne pas appliquer. C'est une nouvelle devise en Haïti qui est l'union fait la force. Yes. Et très souvent, nous pratiquons des unions que l'union. Parce que, exemple, là, pour que ça me fasse un complément, je vais vous un exemple que des fois, là où on est un dirigeant, un bon dirigeant dans le Canada, mettons, nous voulons faire une intervention. Si vous n'avez pas le parler avec 35 organisations, juste en termes de logistique de temps, yes, il va marcher. Il va marcher parce que lui-même, il n'est pas un dirigeant pour occuper de un dossier. Donc, il faut que nous toujours fédérer, mettre des efforts nous ensemble. Prendre le temps pour nous résoudre les problèmes qui sont compliqués au PITA. Parce que des fois, nous avons un gros consortium, une fédération, nous voulons résoudre les problèmes qui sont compliqués en premier. Nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble. Nous n'avons pas fait notre confiance. Commencez par faire des petites choses ensemble, mais le fait que nous mettons nous ensemble, nous gagnons. Oui, l'un qui l'a avec nous, qui a témoigné. Moi, au Québec, comme moi, je dis, nous avons 150-160 000 personnes. Nous avons à peu près en réalité commun avec l'autre chose. Je dis à nous, organisation et des sommets socio-économiques, côté nous regrouper plusieurs organisations, 45, qui chaque différent. Mais, les nous n'avons pas les questions jeunesse, les n'avons pas les, nous parler au nom de tout. C'est comme ça que, ma bonne exemple, c'est pas pour battre nos fleurs. Yes. Mais, le fait que nous avons une organisation, nous avons des défis intérieurs, il n'y a pas de consortium qui a un défi, non? Mais je dis, dans un dossier fracture numérique, là, on dit, écoute, avec l'affaire COVID, là, toute l'école fermée, tout le monde est à distance, tout le monde est à distance, et mon communauté pas nous, le plus défavorisé. Nous voulons faire pareil, mais nous mettons un projet. Est-ce que nous connaissons que dans deux, trois mois, nous ramassons $1 million pour le projet? Et ça fait que partenaires nous ont ben nous, c'est parce que nous disons nous-mêmes, nous représentons 45 organisations et projet à nous implanter avec 23 personnes. Mais pour nous dégager force ça, si moi-même déparé ton projet tout seul, chaque monde déparé ton projet tout seul, chaque monde après se voir qui ça 10 000 ou bien on va parler avec eux. Donc moi-même, je pense que c'est hyper yes. important de répondre à eux. Et si leader organisation régionale, accepter, commencer à faire connaissance, travailler ensemble, bâtir au consortium. Là. Et puis, bagay qui est plus compliqué, pas mettre au lendemain des rencontres. Nous n'avons pas une relation ensemble. C'est comme nous, alors on va finir là-dessus. Permettez-moi. Son jeune garçon, ok, ou rencontrer au monde en face où on a une relation avec lui. Comment c'est discuter problème pour ces cas-là? Comment c'est pas blague avant? Yes. Projet. Ou moyen et puis nous développer confiance. Mon cher, nous t'a souhaité nous réussir. Parce que ça t'a fait mal pour moi que les tremblements de terre là, qui arrivent en Haïti, même les dégâts moyens, mais c'est l'autre monde qui parlait, nous pas assez fort pour nous décamer, écoute, non, soit vous avez en Haïti au Canada, groupe, association régionalement, premier ministre de l'Orient Fontaine, à pas. Yes. Yes. Voilà, et Kobe, levez main. Kobe, please, et au cap avancé. Alors, disons ces dernières questions, interventions que d'apprend pour nous permettre que M. Stacco cap aller à 2h45. Kobe? Bon, oui, m'a excusé moi pour être de grand public là, c'est moi aussi gourmand que ça. C'est parce que j'ai un bagage intéressant à parler. Oui, justement, question d'Andy, surtout lié avec la dernière phrase qui est 12 janvier là. Donc, c'est ça qui passe, hein? Sous pays, on dit offrir une opportunité pour nous redémarrer un paquet de bagages. Et nous avons COVID, là, tout qui sont notre expérience, qui frappe tout le monde. Là, mais... pas seulement Haïti, qui montre comment on est capable d'utiliser les ressources humaines pour conseiller le travail. Par exemple, dans la task force, on déploie des policiers, des sapeurs-pompiers, des ambulanciers, des travailleurs sociaux, tout le monde qui a travaillé dans le centre de gériatrie. Parce que nous connaissons le Canada, une population vieille qui est vraiment en pile, et en pile, monde. Travaille avec eux.
on fait job petit grand monde take care tout pareil ça. Mais nous avons besoin qu'on ait dans quatre coopérations possibles qui gagnent à l'avenir entre ou même avec Haïti. Est-ce que vous pensez nous capable inscrire dans une dynamique de un plan durable comme si pour nous mettre une académie de formation en Haïti qui pour former un ensemble de jeunes parce que nous avons environ combien d'universités, à peine on 10, on 20 qui plus ou moins fait effort pour essayer de lever figure. Pour nous retourner sur le même programme et problème CGEP qui gagne là-bas, mais ici qui pas gagne parce que jeunes passent directement vers la formation universitaire, c'est-à-dire que dans pile l'autre bail que vous avez fait. Est-ce que vous avez un coup dans le cadre de coopération entre la diaspora, toute la diaspora qui a pris de nous, ainsi que vous-même, M. Stacco, et Transversal Learning, nous souhaitons surtout. Pour nous mettre une structure en Haïti, une structure durable qui a formé jeunes qui sortent directement en philo pour avoir accès à des formations comme si vous avez un outil, vous avez un ZAM pour vous mettre. Dans ce moment, ZAM, parce que des fois, on a parlé d'objectifs de développement durable. Pour un pile haïtien jusqu'à présent, vous comprenez que le développement durable, là, c'est infrastructure routière seulement, c'est seulement bel building, bel bâtiment à l'image des autres pays. Mais chaque côté, il y a une réalité socioculturelle par eux. Donc, et une faire approche là, parce que t'as aimé comme si dans année Gabriel culturel centré sur l'humain la personne humaine et concept de développement durable nous adapté là ça parce que développement durable selon même c'est développer monde mais c'est pas développer espace parce que dès que monde a accès à la formation monde a qu'on planifier qu'on conseiller de bagaille là l'a capable faire aménagement du territoire l'a capable gérer espace côté le rester à Kembel propre et l'a capable interagir mieux avec monde qui bon côté merci. Ça, c'est un capital, c'est important, comme moi, dis nous, me rappeler l'histoire Québec, côté que si nous voulons lire sur ça, dis ça, oui, les révolutions tranquilles, parce que pas de gens à faire ça, là-dedans. C'est une révolution. Donc, groupe de dirigeants qui dit que nous n'avons pas la majorité dans le pays, pour nous-mêmes, nous plus faibles, comment transformer le rapport de force là, et c'est l'éducation qui est les âmes principales là. Donc, nous allons aller garder sous ça. Je pense que vous voulez parler nous d'une initiative que nous connaissons. Peut-être nous connaissons lui. Monsieur Samuel Pierre, son professeur, monsieur, dans l'école polytechnique de Montréal. Monsieur Gon, université, ISTEA, mais qui semblait faire deuxième cycle. Alors, le diplôme que vous faites, c'est pour monde qui finit l'université. Donc, l'idée qu'on peut amener à Kobe, docteur, c'est pour nous venir plutôt. Parce que son idée fondamentale, pour le développement Haïti. Parce que si on regarde un nombre d'Haïti gagnant, qui est important, c'est une ressource humaine, c'est des gens. Parce que des pays, c'est pas juste les infrastructures, ça prend des gens. Et nous avons une jeunesse qui a un potentiel. Nous avons une jeunesse qui a une capacité extraordinaire qui n'a pas gagné ailleurs. Si nous réfléchissons, nous tous ensemble, nous avons que en Haïti, c'est le seul pays totalement qui a l'Amérique imbibée là-dedans, à des parcelles assez significatives. Nous avons des gens qui parlent anglais. Nous avons des gens, bien sûr, nous avons des créoles, nous avons des gens. Nous avons des populations francophones. Ou avec des gens qui parlent espagnol. Donc, les quatre plus grandes langues, et avec présence brésilienne, on va chercher portugais, mais les plus grandes langues d'Amérique sont présentes en Haïti. C'est-à-dire que sous formé et on, rapidement, à la fin du secondaire, avec des diplômes, pas diplômes bolettes, là, des diplômes intéressants, pour dire qu'on est jeune, ça, après 5 ans de secondaire, pour faire un passerelle, qui ramène 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard à des diplômes, écoute, ou qu'a transformé le rapport de force nous extraordinaire. Ça me dit non, il n'est pas présent en République dominicaine, il n'est pas présent dans quel autre pays. Ou bien ça, le côté de la présence est tellement petit. Elle dit que Haïti, qu'a concevoir des services pour quasiment l'Amérique entière. Donc, c'est juste niveau formation pour nous rehausser. Et modèle CGEP, ça qui est intéressant, c'est accélérer voir. Parce que c'est sûr que oui, diplôme universitaire est intéressant, mais il est long. Yes. Lorsqu'on une fait secondaire, hein, si on fait un secondaire 6 ans, ça fait 12. Si on ajoute 3-4 universités, ça fait 16.
Mais vous voyez Québec, là, nous avons raccourci en 13-14. Et en termes de développement au pays, en termes de capacité de réagir, et nous avons jeunesse qu'il a, et le monde numérique, oui, le café. Bien sûr, nous faire en respectant que nous ne pouvons pas développer un pays sans que nous avons une collaboration effective avec les gens sur place. En clair, sous ça, nous-mêmes entre nous, nous concevons un système d'éducation, mais si nous n'avons pas une attache avec le gouvernement, là, je parle, ce n'est pas un parti politique, et gouvernement, là, on limite tout. Parce que, peu importe ça nous penser, peut-être des fois, nous en Haïti, quitte que c'est le monde étranger, ONG ou autre qui pouvait dire ça pour faire en santé, en éducation et en sécurité, mais c'est le rôle de l'État. Ou l'État qui peut occuper de l'éducation, il a pertinence qu'il a perdu. Bah, docteur, mais tout l'État sérieux, bon système de santé, et je pense que nous-mêmes, nous avons alimenté réflexion. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, nous hein, créons un rapport de force pour que nous avons nous comme des acteurs sérieux et qu'il ait besoin de réflexion. Il n'est pas obligé, ça m'a dit, hein, même si c'est une vidéo, m'a bien, il n'est pas obligé de payer un consultant blanc étranger extraordinaire pour le dire, c'est parce que blanc dit, ça fait le bon. Parce que ça n'a rien, le carbone, et puis nous avons un avantage. Nous avons une culture, nous en tout. L'aime pour une réflexion sur Haïti, m'a dit un plus bon que notre monde, mais même plus souché. L'on c'est arrivé en Haïti, le carbone, une réflexion est théorique. Il y a théorique, l'en bon. Mais peut-être des fois, réseau comme Tim Neckreux, nous avons parlé, nous avons souché, et puis c'est hyper important pour nous revoir le système d'éducation, parce qu'en Haïti, si nous voulons les gens nous voulons aller, nous sommes de moins en moins compétitifs. Parce que nous avons un système qui forme peut-être des mondes qui n'est pas vraiment adapté parce que nous avons dans l'école des niveaux qui n'est pas correct. Nous avons un système d'éducation qui a copié un modèle qui est moins accessible, qui est un bon modèle pour nous. Nous-mêmes, nous faisons après 5 ans de secondaire, mais il n'y a rien qui empêche en Haïti dit que vu le modèle de développement, la séquence est différemment. Mais il faut nous pas continuer à faire un baillon. Exactement. Voilà, merci, M. Stacco. Et obligé by Jackson faire mon intervention, sinon je suis pas arrêté. Donc, je pense que c'est très bref pour me quitter ou aller. Et Jackson, please go ahead. Merci, Ricardo. Monsieur Jean, c'est qu'on s'en Non, Monsieur Stacco. Monsieur Edouard. Moi, je suis bien content et par rapport avec l'éducation, parce que moi-même, tout le monde a fait maîtrise en mathématiques. L'éducation est très importante pour moi-même. Et dans qui mesure que le groupe Paul est capable d'aider le système d'éducation en Haïti? Parce que pour moi-même, je trouve un système qui est utilisé en lettres archaïques, n'est pas méthodique assez. Dans qui mesure que vous pensez que nous sommes capables d'intervenir pour permettre que système nan li capable à jour par rapport avec reste monde là. Une première mesure pour des chances siéger sur instance au Québec. Léo fait révolution tranquille là. Puis ça me dit pour si nous voulons lire sous dit, il a créé ministère d'éducation. Parce qu'avant c'était une religion qui a géré le système là. Il a créé ministère, il a créé une instance à côté, il a le Conseil supérieur de l'éducation. C'est que c'est 22 monde qui ont un mandat pour réfléchir à ce système-là à court, moyen et long terme. Pas tellement à court terme, mais moyen et long terme. Et j'ai eu une chance de qui a siégé au cours des dernières années sous le Conseil supérieur d'éducation. Et je pense que une contribution diaspora, pas moi-même seulement qui a fait, c'est contribuer à des réflexions sur des plateformes comme ça. Parce que le ministre l'a allé, mais le ministère a arrêté. Et si nous avons 40 ans, nous avons réflexion là-dessus, c'est sûr que ça t'a fait plus que plaisir et pour nous réfléchir. Parce que plein d'actions, nous ne pouvons pas juste voir des slogans, nous avons quitté ça pour les politiciens de graine gauche qui ont fait slogan, mais si nous voulons rendre l'école accessible à tous, si nous voulons créer un système d'éducation, c'est pour tamer nos réflexions et permettre que moun diaspora yo et s'il le faut des moun comme moi ou d'autres participer là-dedans. Et suite à ça, ça baille des actions. Donc si tu as un mouvement comme ça fait oui. Mais en attendant, c'est sûr que bah c'est que plateforme que nous gagnons
c'est une plateforme ça nous d'arriver que des sociétés civiles en attendant nous vraiment gain des dirigeants qui mettent l'éducation au centre pas de leur campagne électorale là. Yeah. Au centre des priorités dynamique ça n'a fait à ça permet nous avancer échanger et éventuellement contribuer mais disponibilité à là mais on pas qu'à contribuer sans que même si nous d'aller contourner toute structure qui existe au mais Haïti quand même nous obligé de travailler avec avec intervenants sur terrain surtout quand on parler de changement système éducation nous moi même avec nous là nous mettre ensemble nous mettons l'école en d'un côté nos villages nous qu'a fait des formations etc mais soit parler de changement système d'éducation c'est ça pour faire avec et ministère et ou voilà et un dernier mot monsieur Stacco avant que moi conclue bon moi même ça te fait premièrement on veut remercier nous et pour ça parce que et, c'est pas toujours le cas où on a opportunité échanger avec carte blanche c'est très souvent les organisateurs de rencontres veulent qu'on dise des choses. Tandis que ce n'était pas le cas. Et je voulais féliciter. Quand on a parlé de ça, je voulais comme je voulais, parce qu'il n'y a pas de bon message éditorial qui était là-dedans. C'était, on a convenu de ce qui sa thématique-là. Et je pensais que c'est hyper important. Moi-même, je pensais tout, initiative SAO, c'est à multiplier. Et peut-être qu'ils utilisent la technologie pour nous garder en contact. C'est ce que tout le monde occupé, mais pour que ça soit fait là, l'on suit, il faut que nous nos moyens gardent en contact. Et je crois que symposium-là, initiative de mise en réseau de compétences multiples, et là pour nous qui en Chine, qui participent au même événement avec, qui est à Montréal, organisé depuis Florida, avec des gens qui gèrent ni au cahier ailleurs. C'est ça la transformation numérique. Absolument. Merci, c'est un plaisir que de partager et question au montrer que c'est ton samedi enrichissant pour moi-même. Merci un peu. C'est à nous-mêmes, Monsieur Stacco, pour remercier. Merci pour le temps, merci pour l'énergie, merci pour le talent qu'on met à disposition nous. Et moi, mon dernière question. Pas un problème. Posium, non. Est-ce que nous pouvons compter sur une forme de consultation ou de mentorat pour n'importe qui suivi que je ne t'ai décidé de prendre? Ah, mais c'est sûr que ça fait nous plaisir. Et me dis même si Wilin Donneville qui avait nous, nous dépensons que l'équipe moyen, c'était important de dire Wilin, oui. Il oui, a c'est si vous nous faites suivi, ça fait nous plaisir. Et parfait. Si nous baillons aide quelconque, ça fait nous plaisir. Si vous êtes à Wilin avec nous. Je vais mettre mes coordonnées sur le chat. Vous pouvez me contacter sans problème. Pas de problème. Et puis, d'accord. Ça va nous faire plaisir. Nous-mêmes, nous allons checker pour la suite. Gênez-vous pas si c'est peut-être un peu de mentorat, un peu de consultation. Et l'autre bagaille, peut-être en terminant, des fois, nous avons un réseau de monde, même si nous-mêmes, nous avons un réseau. Je n'ai pas d'expertise là. Même quand peut-être qu'on nous monde qui qu'on aime, je me dis oui, je vais participer avec Teamwork Network, ben je téléphone que nous parlons. Parfait, parfait. Merci infiniment, Wilin. Merci, M. Stacco. Nous prenons rendez-vous à 3h15. Nous avons l'autre présentation depuis New Jersey avec Davidson qui va parler questions touristes. Merci. On se rencarde à plus tard. Nous remercions tout le monde. Nous allons connecter dans quelques 30 minutes.